demeure. Ensemble. Si j'étais toi, j'allais chanter plus fort. Chantons. Alléluia. Je chante au roi, au roi, au roi. Kodabazi andeleketa. Balita aiteke palabretosia. Kulabasi andelebrita sata. Je chante ensemble, ensemble. Merci Seigneur. Chantons. Alléluia. Alléluia. Chantons avec les anges. Alléluia, come on. Alléluia. Chantons, chantons avec les anges. Alléluia. Lève un peu les mains, accueille cette onction que je sens. Oh, alléluia. Ensemble avec les anges, alléluia. Oh, alléluia. Ensemble, ensemble avec les anges. Alléluia, alléluia. J'augmente le volume, je chante encore. Alléluia, alléluia, alléluia.
l'église avec nos acclamations. Merci pour ton onction. Je salue ta présence ce soir. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vie, saluez le Saint-Esprit, saluez le Saint-Esprit. Saluez le Saint-Esprit. Saluez le Saint-Esprit, il est là. Acclamez le Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit. Esprit, je t'aime, Esprit de vie, je t'aime, Esprit de force, je t'aime, Esprit de la prophétie, je t'aime, Esprit du surnaturel, je t'aime, Esprit de guérison, je t'aime, Esprit de restauration, je t'aime, Esprit de la délivrance. Salut le Saint-Esprit. Oh yes. Assieds-toi quelques minutes sous l'onction. Dis avec moi bonsoir Saint-Esprit. Dis-le bien bonsoir Saint-Esprit. Un grand privilège et un honneur pour nous de nous retrouver du haut de cette chaire à la deuxième édition de la conférence Héritage. Un grand merci à mon ami et frère prophète Ken Muyaya. On a beaucoup de choses ensemble. Il y a des gens dans la vie qu'il ne faut pas rencontrer. Il y a des gens dans la vie qu'on peut ou ne pas rencontrer. Mais il y a des gens qu'on doit rencontrer. Et parmi ces personnes que je devais rencontrer, il est parmi. Aidez-moi à acclamer pour le prophète Ken Muyaya. Acclamez aussi pour sa charmante épouse. Amen. Ça a toujours été pour moi un privilège de prêcher en présence du patriarche. Papa a réussi Tsingoy Mandako en compagnie de maman Irène. J'aimerais aussi que vous acclamez pour eux. Ils sont pour moi une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce soir, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je sens l'onction de Dieu sur l'assemblée. Je crois que dans quelques minutes, le Saint-Esprit va faire ce qu'il doit faire maintenant. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire quelques portions de l'Écriture. Et que nous puissions parler de la part de Dieu et avoir le temps de prier. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er. La Bible raconte quelque chose en 17 versets qui a retenu mon attention. Que dit la Bible? C'est la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra. Qu'est-ce que je dis? Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra deux Tamar, Parès et Zara. Parès et engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed. Quand je saute, j'arrive au verset 10. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Jorobabel. Et le verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie,
de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Le verset 17 dit, il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et à ce passage, on relit le texte de base de notre conférence dans 1 Chronique, chapitre combien? Chapitre 28, le verset 9. La Bible dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Acclamons pour la parole de Dieu. Je voulais aussi que vous m'aidiez à saluer ma charmante épouse. Il y a quelques mois, on a fêté 10 ans de mariage. Chérie, tiens-toi debout. Amen. Alléluia. Quand tu regardes la compréhension de la conférence héritage, lorsqu'on parle de héritage, on fait allusion à quelque chose que tu dois recevoir de quelqu'un. Quand on parle de héritage, on fait allusion à quelque chose qu'on doit nous laisser, mais ça doit venir de quelqu'un. Mais dans ce cadre ici, il s'agit d'un échange entre un père et un fils. Dis avec moi, père et fils. Ils sont en train de parler. Pour comprendre le contexte de la chose, il faut remonter à l'histoire du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Un peuple surgit de la terre, en train de marcher seul sur le principe de la théocratie, c'est-à-dire Dieu en était le roi. Mais à un certain moment, ils sentent qu'ils doivent être comme les autres peuples de la terre. Et dans cette demande, une pression monte. Dieu est censé chercher quelqu'un qui doit le représenter sur la terre. La première personne que Dieu trouve, elle s'appelait Saul. C'était la première personne qui se retrouve en trône et en fonction comme roi sur Israël. Mais cette personne ne marchant pas selon les principes établis par Dieu, il s'est fait que Dieu décide de la déclasser. Et quand Dieu la déclasse, il trouve un homme qui s'appelle David. J'aimerais toujours dire aux gens ceci. Dieu n'a jamais été en carence des serviteurs. Ce que tu fais aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut mieux le faire. Quand Dieu te déclasse, ça ne veut pas dire que ça sera fini. Dieu n'a jamais fini. Dieu continue toujours. Parce que Dieu est éternel. Mais l'homme est limité par le temps et l'espace. Lorsque Dieu déclasse quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu a déjà préparé quelqu'un avant même que tu puisses faire ta faute. Parce que Dieu, il est omniscient. Il déclasse Saul, il cherche David, il le place. Mais David, sentant sa mort prochaine, est en train de parler. Il est en train de penser à l'avenir. L'une des choses qui tue l'homme noir, c'est le manque de pensée de l'avenir. L'homme noir réfléchit par rapport à aujourd'hui. L'homme noir a du mal à planter des arbres dont il ne bénéficiera pas. Il doit planter des arbres dont il bénéficiera. C'est ainsi que parmi les cultures dans lesquelles il est spécialiste dans la culture du maïs. Parce que dans le maïs, il sera toujours en train de consommer. Il a du mal à planter des avocats parce que ça prend 5 ans. Il a du mal à planter des séquoias et d'autres arbres parce qu'il ne va pas bénéficier. Mais le contraire avec l'homme blanc, c'est que l'homme blanc pense à l'héritage. Il ne pense pas en termes de lui, il pense en termes du lendemain. Il s'est dit que même quand je ne serai pas là, il y a des gens qui doivent bénéficier. Au fait, le plus grand principe de l'héritage, c'est que quelqu'un doit souffrir pour qu'une autre personne ne souffre pas. Dans le plus grand principe de l'héritage, c'est que quelqu'un doit donner beaucoup pour que l'autre travaille dans le repos. C'est ce qui fait que le développement est le mot maître dans les nations qui se développent. Et maintenant, quand tu arrives dans ce contexte, un père qui était roi est censé partir, laisser le trône à son fils. Et dans l'échange, il lui donne cette phrase. Salomon, connais le Dieu de ton père. La première des choses sur laquelle je m'attelle, c'est connais le Dieu. Dis avec moi, connais le Dieu. Pourquoi est-ce que David, un vaillant guerrier, un homme qui a livré des guerres, un homme qui a eu suffisamment de trophées,
au soir de sa vie en train de partir, il dit à Salomon, j'aurais voulu l'entendre dire, tu vois quand tu seras sur le terrain, en train de combattre contre les Philistins, les Amoréens ou les Amalécites, voici les stratégies que tu dois faire. Chaque fois tu dois prendre les militaires, les mettre là-bas, ceci, non. Mais David, dans la causerie, devant l'assemblée, il regarde Salomon et lui dit, connais le Dieu, pas seulement le Dieu, mais celui de ton père. En d'autres termes, il voulait le dire, il y a beaucoup de dieux, mais il y en a un dont tu dois t'en tenir. Il y en a un sur lequel ton attention doit se focaliser. Ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu de ton oncle. Ce n'est pas le Dieu d'une autre personne, mais le Dieu de ton père. La première des choses, pourquoi la connaissance des dieux? Trois réponses viennent quand on est en train de parler de la connaissance des dieux. Quand tu lis dans la Bible, dans Exode chapitre 5, le verset 2, Moïse est envoyé auprès de Pharaon. Quand il arrive auprès de Pharaon, il vient lui dire qu'un Dieu l'a envoyé pour faire sortir Israël de l'Égypte. Pharaon répond, qui est Dieu? Je ne le connais pas pour que je puisse obéir à lui. Il est qui? Il est comment pour que je puisse obéir à lui? Quand David dit à Salomon, connais Dieu, la première des choses, on ne peut pas marcher dans l'obéissance des dieux sans le connaître. Ce qui fait que nous avons des jeunes gens qui marchent aujourd'hui. Demain, il est ceci. Aujourd'hui, il est cela. Ils vivent dans l'instabilité. C'est l'ignorance de qui est Dieu. La définition que tu as de Dieu détermine la longévité de ton ministère. La longévité de ton ministère n'est pas fonction des gens qui t'imposent les mains. La longévité de ton ministère est fonction de la révélation que tu as de Dieu. Ce que tu connais de Dieu, c'est ce qui te rassurera dans les moments de trouble. Parce que dans le monde, l'information est ce qui donne à quelqu'un la domination. Les hommes qui n'ont pas l'information ne peuvent pas dominer. Quand il dit « connais le Dieu de ton père », il est en train de lui dire « la connaissance de Dieu te donnera la domination partout où tu passeras ». Il voulait lui dire, moi je suis en train de partir. Je ne saurais pas continuer à te sécuriser. Je ne saurais pas continuer à combattre pour toi. Mais quand je ne serai pas là, si tu connais le Dieu qui a combattu avec moi, ce Dieu-là continuera avec toi, même quand moi je ne serai pas là. La connaissance de Dieu engendre l'obéissance. Beaucoup de gens ont du mal à poser des actions pour Dieu. Quand on demande deux fois de l'argent, les gens se battent dans le cœur parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand on demande ne fais pas ceci, les gens se battent. Ils ont du mal à poser des actes d'obéissance parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu connais Dieu? La deuxième des choses, pourquoi connais Dieu? Dans 1 Roi chapitre 8, la Bible est en train de dire, la connaissance de Dieu engendre la crainte. Sais-tu pourquoi quand un militaire paraît, vous avez peur? Parce que vous savez ce qu'un militaire est capable de faire. Quand tu discutes avec un militaire, tu sais qu'il peut me tuer. S'il se fâche, il peut charger l'arme et me tuer, n'est-ce pas? La crainte est la conséquence de la connaissance. Beaucoup de gens ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas jusqu'où Dieu peut aller. Ils sont prêts à mentir à l'église. Ils sont prêts à escroquer parce qu'ils ignorent qui est Dieu. Ils sont prêts à faire de n'importe quoi parce qu'ils ignorent qui est Dieu. Mais la personne qui connaît Dieu, elle marche dans la crainte. Elle sait jusqu'où Dieu peut aller. Elle sait que Dieu n'est pas mon père. Dieu n'est pas mon grand-père. Dieu, il faut le craindre. La Bible dit, servez Dieu avec crainte et tremblement. Quand David regarde Salomon dans ce mot connaître, il lui dit, si tu connais Dieu, tu marcheras dans la crainte. On ne vous trompe pas, nous tous, le diable nous sollicite d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de Superman. Heureusement, c'est un film. Mais dans la réalité, tout le monde est sollicité par le péché. Mais le problème n'est pas la sollicitation, le problème c'est la réaction par rapport au péché. Notre réaction par rapport au péché est fonction de la connaissance de Dieu. Certaines personnes tombent facilement parce qu'elles ne voient pas les enjeux finaux. Il y a des moments où tu veux bien faire comme les autres,
Mais quand tu regardes la fin, la connaissance de Dieu engendre la crainte. Tu te dis que non, je dois m'arrêter là. Je suis en train d'aider quelqu'un. Je prêche comme à la conférence. La deuxième des choses, ou la troisième, dans le mot connaître Dieu, j'aime ce que la Bible dit dans le psaume chapitre 9, le verset 10e. Dis-moi alléluia. Psaume chapitre 9, le verset 10. Écoute ce que la Bible dit. Oh, j'aime. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Quand il est en train de dire à Salomo, connais le Dieu de ton père, David savait qu'un jour, il aura un problème de confiance. Le monde, la manière dont il est en train de partir, nous vivons des défis. Il y a des choses qui nous secouent. Il y a des choses qui nous ébranlent. Mais la Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ils ne se confient pas dans les bougies. Ils ne se confient pas dans l'eau. Ils ne se confient pas dans des pommes. Ils ne se confient pas dans l'huile. Ils ne se confient même pas dans les hommes. Mais ils se confient en Dieu. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui bougent. De part et d'autre, ils ne connaissent pas Dieu. Quand il y a un problème, la sœur chantait à la chorale, mais elle est malade, on la retrouve chez un traduit praticien. On se pose la question, comment as-tu quitté de là jusque là-bas? Il y a un ami que je connaissais à Kinshasa qui était très zélé. Mais à l'un de mes voyages, j'ai trouvé qu'il est devenu musulman. Je me suis posé la question, comment as-tu fait pour quitter ici et arriver là-bas? Je me suis rendu compte, dans la vie, on enseigne ce qu'on connaît, mais on transmet ce qu'on est. On enseigne ce qu'on connaît, mais on transmet ce qu'on est. C'est-à-dire, je peux vous donner des bons enseignements, mais dans mon enseignement, je peux véhiculer ma nature d'impudique si je suis impudique. Et le manque de confiance est lié au manque de connaissance de Dieu. David savait, Salomon, j'étais roi. Il y a des opposants. Dans tout gouvernement, il y a toujours des opposants. Dans la vie, tout le monde ne va pas t'acclamer. Donne-moi un amen. Dans la vie, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Dis bien amen. Dans la vie, tu n'auras pas toujours des fan clubs. Il y a des gens, que tu fasses bien, lui ça ne compte pas. Que tu t'habilles bien, lui ça ne compte pas. Mais non, la vie n'est pas fonction de ceux qui ne t'aiment pas. La vie est fonction de Dieu et des personnes qu'il t'a données. Tout le monde ne sera pas dans ton parti. Même Jésus ne s'était jamais arrêté pour discuter avec les Sadducéens. Il ne s'était jamais arrêté pour discuter avec les pharisiens. Ce qui te tue, toi, c'est que tu veux que tout le monde t'acclame. Dans la vie, tout le monde ne t'acclamera pas. Tu dois te rendre compte que quand tu marches, tu dois te rassurer d'une chose, que dans ton parti, si Dieu est là, ça te suffit. Quand Dieu est là, c'est Dieu qui amène des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui amènent Dieu. Quand tu as Dieu, la Bible déclare, les cœurs de rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et les incline vers qui il veut. C'est-à-dire, si tu as Dieu, tu as le cœur de roi. Quand tu as le cœur de roi, partout où tu passeras, même celui qui... Quand tu as le cœur du roi, est-ce que tu vas chercher les sentinelles? Quand tu as le cœur de roi, est-ce que tu vas chercher les sentinelles? Il y a des personnes que vous cherchez à embarquer dans la barque de votre destinée. Dans la balance de Dieu, ce sont comme des sentinelles. Dieu ne te donne pas des sentinelles, il te donne des rois. La confiance est en train de se faire rare dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont du mal à rester assis, en train de suivre Dieu. Quand les choses ne bougent pas bien, ils cherchent des solutions palliatives. Aussitôt dit, aussitôt fait, il est parti. Il y a des personnes, il suffit qu'on entende que là-bas, il y a ceci, paf, il bouge. Là-bas, il y a ceci, paf, il bouge. En d'autres termes, dans le mot connaître Dieu, c'est la stabilité. Quand il lui disait connais Dieu, il voulait lui dire assieds-toi ici. Tu vois sur le trône, tu auras des combats. Donne-moi un amen. J'ai dit ceci, tu auras des combats. J'ai dit tu auras des combats. J'ai dit, tu auras des personnes qui vont te haïr.
J'ai dit, tu auras des personnes qui vont te mépriser. Mais ta stabilité dans la vie est fonction de la connaissance de Dieu. Frère, j'aimerais te dire, dans les églises, il y a des choses qui se passent. Tu peux prêcher comme tu veux. Tu descends comme ça, quelqu'un dit, non, là-bas, il avait fait une faute. Là-bas, il avait fait une faute. D'abord, pourquoi il saute comme ça? Pourquoi il prie en langue comme ça? Mais quand tu connais Dieu, tu n'as pas de crampes à l'estomac. Quand tu connais Dieu, tu marches dans l'assurance. La vie est faite de beaucoup de défis. Il y a des choses que tu n'as pas prévues. C'est ainsi que les Français parlent des accidents. Ce sont des choses que tu n'as pas prévues. Mais quand même, il y aura des accidents. Connais Dieu et tu marcheras dans l'assurance. Il y a des gens qui se sont déjà réveillés le matin. Il n'a pas de problème. La belle famille est venue pour le chasser. Il ne sait pas où est-ce que le problème a commencé. Et ils étaient en réunion. Toi, tu ne savais pas. Ils ont dit que tu avais dit. Toi, tu n'as pas entendu. Ils ont dit que tu as fait. Toi, tu n'as pas entendu. Mais connais Dieu. Connais Dieu. Alléluia. S'il y a une classe que nous devons réouvrir de notre temps, ce n'est pas comment opérer dans l'onction. S'il y a une classe que nous devons réouvrir dans le christianisme aujourd'hui, ce n'est pas le ministère des anges. S'il y a une classe que nous devons recouvrir aujourd'hui, ce n'est pas comment manifester le surnaturel, non. S'il y a une classe que nous devons réouvrir dans le christianisme d'aujourd'hui, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu? Le plus grand héritage qu'un homme laisse à ses enfants, ce ne sont pas des maisons. Le plus grand héritage qu'un homme laisse à ses enfants, ce ne sont pas ses relations. Le plus grand héritage que l'homme laisse à ses enfants, ce n'est pas l'argent en banque. Le plus grand héritage qu'un homme laisse à ses enfants, c'est la connaissance de Dieu. Lorsque ton enfant connaît ton Dieu, il peut faire comme toi et plus que toi. Lorsque ton enfant connaît Dieu, c'est-à-dire Dieu. On se pose la question aujourd'hui, est-ce que les gens connaissent encore Dieu? Il y a des maladies que vous voyez chez les chrétiens, tu te dis non, ça sont des maladies des incrédules. Il a une crise d'estomac, il commence même à vomir le sang. Ah. Non, j'ai l'ulcère, je t'informe, si tu es dans cette salle et que tu as des ulcères d'estomac, c'est une maladie des incrédules. La Bible dit, aussi mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa toute richesse à lui. Tu sais quand est-ce que les crises montent? C'est lorsque en faisant tes calculs, tu sens que ta poche ne répond pas. C'est lorsque tu regardes un peu ça, 436, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ça ne vient pas, personne ne t'envoie, même pas un dollar. Tu te dis que peut-être que quelqu'un peut se tromper, ça peut venir par hasard, ça ne vient pas. Mais quand tu connais Dieu, je me suis rendu compte, le plus grand capital de la réussite de la vie sur la terre, c'est la connaissance de Dieu. Un homme qui connaît Dieu, vous pouvez le négliger aujourd'hui, mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Un homme qui connaît Dieu, c'est comme dans un match où l'arbitre n'est pas pour vous. Mais l'arbitre est, il a aussi la vareuse, mais il a caché ça. Il est en train de siffler le match en fonction de l'équipe qu'il soutient. Imagine-toi maintenant comment les choses se passent. Si l'arbitre est de votre côté, vous vous dites touche, lui dit non, jouez. Vous vous dites non, penalty, lui dit non, c'est un coup franc. Vous vous dites non, c'est comme ça, je dis toujours. Les hommes ont les phrases de nos vies, mais Dieu a les points d'interrogation et les ponctuations. Tu sais, les phrases de nos vies, quelqu'un peut dire demain Ken va mourir. Mais la ponctuation dépend de Dieu. Si Dieu met point d'interrogation, la phrase change de sens. Mais si Dieu met point final, la phrase aura de sens. Dieu peut mettre un point d'interrogation comme tu peux mettre aussi des points pour dire que l'idée continue. Dieu peut mettre aussi une virgule pour dire que après cela, il va ressusciter. Dieu peut mettre aussi un point de suspension pour dire que on ne sait pas comment ça va finir. C'est ainsi que les hommes ont les phrases, mais Dieu détient la ponctuation. Quand tu connais Dieu, on peut dire dans une raison, c'est fini pour lui. Non, dis, vous avez donné la phrase, mais la ponctuation, elle se trouve au ciel. La connaissance de Dieu fait que dans une réunion, on peut dire, pars,
Mais Dieu ajoute virgule, réussit. Si Jephthé ne connaissait pas Dieu, il n'allait jamais revenir régner. Dans la réunion de famille, on a donné la phrase. Toi, tu ne peux pas hériter parce que ta mère est une prostituée. Mais le ciel avait la ponctuation. Le ciel a fait deux points. Quand on met deux points, on commence à citer la vie de quelqu'un. Deux points signifie énumération. Un, tu seras guerrier. Deux, tu vas rentrer là où on t'a chassé. Trois, ils vont venir te chercher. Il y a des choses que les hommes ne connaissent pas. Dis à ton voisin, Dieu a les ponctuations de mes phrases. Le français est très bon. Quand tu parles, laisse. Dieu a le point. Dieu, il a le point d'interrogation. En français, il y a même aussi les conjonctions juxtaposées. Il y a aussi les conjonctions de coordination. C'est-à-dire, on peut parler et puis on met et puis on ajoute. On dit dans la famille, dans la réunion de la sorcellerie, dis avec moi une réunion. Dis-le bien, une réunion. Je n'entends pas une réunion. Dans la réunion de la sorcellerie, on a dit, elle n'aura pas d'enfant. Maintenant, tu agites. Et après ce temps-là, elle va concevoir. On peut dire dans la réunion de la famille, chez vous, il n'y aura pas de diplômés. Et puis Dieu met où il y aura quelqu'un qui va réussir dans les affaires. Parce que vous tous, vous n'êtes pas obligés de réussir dans les études. Toi aussi, tu peux réussir dans les affaires. On peut dire que non, elle ne va jamais percer. Dieu dit, car j'ai prévu pour elle de percer ailleurs. On peut dire que non, il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. En français, lorsqu'on utilise mais annule toute la première partie qui est au-dessus. Dieu a la ponctuation. Il a même les conjonctions. Mais où est donc Ornica? J'aime Dieu. Regarde, ta vie ne va pas s'arrêter ici. Je dis ceci, ta vie ne va pas s'arrêter ici. C'est à ce niveau où l'histoire de la lignée spirituelle commence. La puissance de la lignée, elle commence à ce niveau ici. Quand on est en train de parler de l'héritage, on parle de la famille, mais on parle aussi de la lignée. J'aime comment ça sonne en Kinshasa. Bokikitani. C'est-à-dire, la manière dont vous êtes en train de venir. La lignée, c'est là-bas où j'ai lu l'histoire de Jésus. La Bible dit ceci. Jésus est venu avec la grâce, mais Moïse est venu avec la loi. Pourquoi Jésus est identifié à la grâce? J'aimerais te dire, vous pouvez donner toutes les explications, mais c'est un problème d'ADN. C'est un problème d'ADN. Un problème d'ADN comment? Lorsque vous êtes dans les courses de chevaux, on ne choisit jamais un cheval au hasard. Un cheval de course est étudié par rapport à sa lignée. On doit voir si ses grands-parents remportaient des courses. On peut même remonter jusqu'à 60, 50 ans en arrière. Quand on étudie, on trouve que dans les gènes de ses grands-parents, il y avait la course. On peut les sélectionner pour commencer à courir des courses. Pose-moi la question pourquoi. Parce que la victoire se trouve dans le sang. C'est à ce niveau-là où, quand on est en train de présenter la généalogie de Jésus, un homme qui a la mission de communiquer la grâce doit venir de la lignée de la grâce. Quand tu es en train de lire dans la vie de David, on commence. Il est né de David. David était quelqu'un qui en principe était déclassé. Le jour où le prophète est venu chez eux, on ne l'a pas cherché. Mais la grâce est allée chercher David. Après avoir cité David, on parle de Abraham. Abraham est père de la foi. Mais on ne peut jamais parler de la foi sans la grâce. Parce que la Bible déclare, c'est au moyen, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. En d'autres termes, la vie d'Abraham a été une notion de maternité de la grâce. Quand on termine avec Abraham, on va à Isaac. La Bible déclare, Isaac s'aima et récolta au centuple, non pas parce qu'il connaissait la terre,
non pas parce qu'il pleuvait, mais parce que l'Éternel l'avait béni. La bénédiction, il n'avait pas prié, mais Dieu l'avait fait grâce. Dis avec moi, la lignée. Quand tu regardes, on prend Jacob. Jacob, en principe, l'héritage ne l'appartenait pas. C'est son frère qui devait hériter. Mais la grâce l'a classé. J'aimerais dire à quelqu'un, là où la loi t'a déclassé, la grâce va te classer. Quand il prend Jacob, en principe, maintenant dans la lignée, il y a des noms compliqués. Dis avec moi, compliqués. Il y a des gens comme Tamar. Il a eu un enfant avec son beau-père. C'est la personne qui écrit la généalogie ne peut pas citer quelqu'un pareil. Quand on met le nom de Tamar, on veut dire ceci. En principe, Tamar, tu ne mérites pas. On ne peut pas te citer. Ta famille ne mérite pas. Tu as fait une chose honteuse. Tu as eu un enfant avec ton beau-père. Mais la grâce m'a puisé de là. Quand tu arrives dans la lignée avec moi, la lignée. Quand tu arrives dans la lignée, il y a quelqu'un comme Rahab. La Bible ajoute Rahab la prostituée. Il y a des gens qu'on ne pouvait pas citer. Frère, quel que soit l'endroit où tu es, moi je ne te connais pas, mais la grâce te connaît. Tu descends, tu arrives, tu vas rencontrer Ruth la Moabite. Pourquoi on dit Ruth la Moabite? Parce qu'elle est née des relations incestueuses. J'aimerais dire à quelqu'un, la manière dont tu es venu dans le monde n'est pas plus importante que ta mission. La manière dont tu es entré dans le monde n'est pas plus importante que ta mission. Dans le monde, tu peux venir par césarienne. Dans le monde, tu peux venir sakabichi. Dans le monde, tu peux venir que, oh, il y avait eu inceste. Chaque fois que quelqu'un naît, c'est une solution que Dieu a envoyée sur la terre. La manière dont je suis entré sur la terre ne compte pas. Mais ce qui compte, c'est la mission que je suis venu faire. Jésus ne pouvait pas venir par quelqu'un qui était saint. Parce qu'il devait incarner, manifester la grâce. Quand il arrive, la manière dont il atterrit dans le ventre d'une femme. Frère, cette femme n'avait pas jeûné. Cette femme n'avait pas prié. Cette femme n'avait pas jeûné. La prophétie était sortie. Peut-être qu'il y avait Marie, c'est un nom commun. Si je pose la question Marie, ils peuvent sortir d'ici. Ici. Marie, c'est un nom commun. Mais Dieu est venu chercher Marie, Marie là seulement. Dieu ne nous choisit pas pour ce que nous sommes. Dieu ne nous choisit pas pour ce que nous sommes capables de faire. Dieu ne nous choisit pas pour ce que nous pouvons faire. Mais le choix de Dieu, c'est la grâce. Frère, dans la marche de l'héritage, il faudrait que tu sois connecté à une lignée. Tu ne vas pas prier pour toutes choses. Il y a des choses que tu dois hériter. Je dis ceci. Il y a des choses que tu dois hériter. Tu ne peux pas aller à la montagne pour toutes choses. Il y a des choses que tu dois hériter. C'est là-bas maintenant où l'histoire de la lignée commence. Quand Dieu veut bénir la terre, il choisit des gens. Quand le diable veut détruire, il choisit aussi des gens. Tu sais pourquoi tu souffres? C'est parce que tu n'as pas encore rencontré l'homme de la lignée. Il y a des choses qu'il faut hériter. Le problème de positionnement est en train de faire souffrir beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il est là-bas. Mais tu hérites de quoi? Frère, à la génération Joël, on a des étoiles qu'on ne peut pas forcer. On a l'étoile de la puissance. On a l'étoile de la prophétie. On ne peut pas forcer ça. Même si je ne gêne pas, frère, comme je suis dans la lignée, ça va venir. Si ça ne vient pas lundi, ça va venir mardi. Si ça ne vient pas cette année, ça va venir l'autre. Ça va venir. Il y a des choses pour lesquelles vous vous battez. Parce que tu n'as pas de lignée. On ne sait pas tu viens d'où. Tu es qui? Abraham, Isaac, Jacob, Ruth, Tamar, Jésus. Mais la personne se pose, mais comment se connecter à la lignée? Paul est en train de répondre à cette question dans Romains chapitre 11. Il est en train de parler de l'olivier sauvage et de l'olivier naturel. Il dit ceci, l'olivier naturel mérité parce que c'est lui qui a la racine.
L'olivier naturel, ce sont les gens que tu as trouvés auprès du patriarche. Ils sont toujours. C'est nous qui avons commencé Génération Joël. C'est nous. Toi, tu, c'est nous. Dis avec moi, ils ont droit. Hein, dis bien, ils ont droit. Fais même comme ça, ils ont droit. Mais non, la Bible ne s'arrête pas à parler seulement de l'olivier naturel. Elle parle aussi de l'olivier sauvage. Quand elle parle de l'olivier sauvage, elle dit que l'olivier sauvage est greffé par la foi. C'est-à-dire ceci, même si je n'ai pas droit, mais la foi peut me connecter. La foi peut me connecter. Ce soir, si tu as la foi, tu seras connecté. J'ai dit ceci, ce soir, si tu as la foi, tu seras connecté. Un olivier sauvage. Un sauvage, c'est quelqu'un, on ne connaît pas d'où il vient. Son père, on ne connaît pas. Ses soeurs, on ne connaît pas. Il est venu à la génération Joël, sans généalogie, mais pour venir se connecter à une généalogie. La foi, elle est comme l'interrupteur. La foi, elle est comme le rallonge. Là où je cherche une connexion, ma foi peut me connecter. Ce soir, tu peux te connecter à la puissance. Ce soir, tu peux te connecter à la prophétie. Ce soir, tu peux te connecter à l'onction. Est-ce que tu as la foi là où tu es? Est-ce que tu as la foi là où tu es? Est-ce que tu as la foi là où tu es? Est-ce que tu as la foi là où tu es? Est-ce que tu crois que Dieu guérit les malades? Est-ce que tu crois que Dieu opère des miracles? Est-ce que tu crois que Dieu délivre? Frère, la vie d'un homme commence à changer lorsqu'il a une position non physique mais spirituelle. Parce que le spirituel coordonne le physique. Tu te bats dans la vie parce que tu n'as pas une position spirituelle. Lorsque tu as une position spirituelle, le monde spirituel est le monde de la maternité. C'est le monde spirituel qui décide de toutes choses. Joseph est devenu premier ministre parce que dans le monde spirituel, son arrière-grand-père avait reçu une prophétie. Salut le Saint-Esprit. J'ai dit ceci. Joseph est devenu premier ministre. Son arrière-grand-père, quand Dieu parlait avec Abraham, Joseph n'était pas là. Mais lui dit, ta descendance sera esclave en Égypte. Ils iront et puis ils reviendront. Dans cet épisode-là, ton arrière-arrière-petit-fils, Joseph, comme par concours des circonstances, se retrouvera vendu par ses frères. Frère, l'homme est un film qui se déroule. Il y a des personnes qui nous font du mal, ils pensent que ça nous fait du mal. Non, ils sont juste les acteurs dans le film de notre destinée. Ils sont en train de t'amener quelque part. J'aimerais te dire, ne maudis pas celui qui te fait du mal. Bénis-le ce soir, parce qu'il est comme les frères de Joseph qui se sont arrangés pour m'amener à l'endroit de ma prophétie. Si on ne m'avait pas vendu, je n'allais jamais arriver à la primature. Je n'allais jamais rouler cette véhicule. Je n'allais jamais, jamais, jamais. Quand Dieu parle à Abraham, Joseph n'était pas là. Le monde spirituel, c'est le monde de la maternité. Tu te bats dans ta vie parce que tu n'as pas une lignée. Tu ne sais pas te positionner. Mais la foi te positionne. La foi te positionne. La foi te positionne. Salut le Saint-Esprit. Prophète Jérémie, j'ai fait une vision dans laquelle Dieu m'a dit, tu as vécu beaucoup de contestations, c'est vrai. Mais Dieu veut faire une chose. Je vous ai vu acheter un bâtiment. Je vous ai vu acheter un bâtiment de l'autre côté. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais Dieu m'a dit, il va te donner la provision pour prouver que celui qui t'a appelé. Il y a un miracle qui va se passer. Mais je t'ai vu acheter un bâtiment. Je me suis contenu. Mais je me suis dit, sous l'onction, je te dis ceci. Le bâtiment là, ce n'est pas toi qui vas fournir des efforts. Mais Dieu, comme il est le maître de l'argent, il est en train d'amasser l'argent. Tu reviendras avec un témoignage que tu as acheté un bâtiment. Frère, salut d'abord le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit.
J'aimerais te dire ceci. Je vais terminer dans quelques minutes pour prier. Mais je vais te faire comprendre ceci. Viens avec moi le monde spirituel. Le monde spirituel est bâti sur trois principes. Ce que nous disons, ce que nous donnons et ce que nous mangeons. Parce que les paroles créent. Les paroles sont les transports du monde spirituel. Lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est-à-dire bien dire. Lorsqu'on parle de la malédiction, c'est-à-dire mal dire. Ce sont des paroles peut-être simples, mais quand ça sort, soit la puissance de construire, soit la puissance de détruire. Quand on dit que quelqu'un est maudit, c'est-à-dire il est accompagné par des mauvaises paroles. Quelqu'un est béni, c'est-à-dire qu'il est accompagné par des bonnes paroles. Ce que nous disons, ce que nous donnons, quand quelque chose quitte ta main, ça ne quitte pas ta vie, ça te connecte à une source. C'est ainsi que ton argent ne doit jamais aller là où tu ne connais pas. Quand l'argent sort de tes mains, c'est ta vie qui s'en va. On ne maudit jamais quelqu'un avec l'argent qui ne l'appartient pas. On ne bloque jamais quelqu'un avec l'argent qui ne l'appartient pas. Voilà pourquoi les sorciers disent toujours, cherchez même un 100 francs de lui. Parce que ce qui m'appartient est connecté à mon identité. Et puis il y a les choses que nous mangeons, ce sont les repas. Dans cette atmosphère de l'onction, où nous voulons prier, j'aimerais recevoir des semences de foi. Des semences de foi qui vont nous amener dans la prière. Vous croyez à l'onction? Saluez d'abord le Saint-Esprit. Joue au l'honneur. Des semences de foi. Si tu as 100 dollars, si tu as 200 dollars, tu as 300, j'aimerais que tu t'approches. Si tu n'en as pas maintenant, vous faites comment? Il y a des dépliants. Ouais. Une semence de foi. Aujourd'hui, c'est lundi. J'aimerais prier sous cette onction. Rapidement, viens te connecter à ce qui se passe.